Bien, nous allons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Josué, au chapitre 3, verset 7. Josué, chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Prions. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous sommes tous heureux de nous retrouver dans ce lieu pour te bénir, pour te célébrer, pour t'élever, toi qui as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus est le plus beau nom dans l'univers. Il n'y a pas de nom qui soit comparable à ton nom, Seigneur. Que ce soit dans le ciel, sur la terre, sous la terre, aucun nom n'est semblable, comparable au beau nom de Jésus. Ce nom qui sauve, ce nom qui guérit, ce nom qui libère, ce nom qui délivre. Seigneur, ce matin, nous sommes là comme des enfants assoiffés de ta présence. Nous avons faim et soif de toi ce matin. Je prie, Seigneur, que tu parles à nos cœurs au moyen de ton esprit, au-delà même de la faiblesse du langage humain. Que ton Saint-Esprit pénètre les cœurs et fasse son œuvre dans chaque vie ce matin. Père Saint, juste et véritable, c'est dans le beau nom de Jésus-Christ que je t'ai prié. Sois béni. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Élevé par Dieu. Je voudrais ce matin partager avec vous deux critères sur lesquels Dieu va se baser pour élever. Je crois qu'il y a une volonté de Dieu d'élever son peuple, d'élever son Église, et je dirais plus précisément d'élever chacun d'entre nous. Et ça, nous avons vu dans ce texte que nous avons lu, il nous a dit, et l'Éternel dit à Josué, c'est une promesse que Dieu a faite à Josué, et l'Éternel lui dit, « Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme moi, Dieu, j'ai été avec mon serviteur Moïse. » »
Vous connaissez l'histoire du peuple de Dieu Israël, comment Dieu s'est choisi Moïse pour arracher son peuple d'Égypte, comment Dieu a oint son serviteur de l'Esprit pour qu'il conduise ce peuple dans le désert, comment Dieu a accompli des miracles extraordinaires au travers des mains de Moïse pour que son peuple voie que le Dieu Tout-Puissant était au milieu d'eux. Tout au long de la vie de Moïse, Dieu a marché avec lui. Et voilà que le terme de son mandat arrivait à sa fin. Moïse allait mourir. Et cet homme de Dieu avait le souci du peuple de Dieu, le souci de ses frères, de ses sœurs, qui n'avaient pas encore atteint la terre promise. Et Moïse, sachant qu'il ne serait pas entré dans cette terre promise, puisque Dieu le lui avait dit, Moïse va demander à Dieu quelque chose. Et nous allons voir qu'est-ce que Moïse va demander à Dieu, sachant qu'il allait mourir. Prenons dans le livre de Nombres, au chapitre 27, et je voudrais lire avec vous le verset 15 à 18. Moïse parla à l'Éternel et dit, « Que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qu'il les fasse sortir et qu'il les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. » Voilà la réponse que Dieu va donner à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Noun, homme en qui réside l'Esprit. » Prends Josué, fils de Noun, homme en qui réside l'Esprit. Je voudrais quand même faire une remarque avant d'entrer dans le vif du sujet et voir ces deux critères. On comprend dans ce texte, avec le souci de ne pas voir le peuple entrer dans la terre promise, de ne pas conduire ce peuple dans la terre promise, Moïse sait qu'il va mourir. Moïse sait que le peuple est prêt pour entrer dans cette terre et qu'il ne sera pas ce conducteur spirituel qu'il a été. Et il a ce souci du peuple de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? On remarque que Moïse ne va pas se choisir lui-même un homme, un successeur. Non, Moïse va s'en remettre à Dieu. Moïse va prier. Moïse va crier à l'Éternel. Et Moïse va demander à Dieu de lui donner un successeur, de donner à ce peuple un homme qui ait le souci du peuple de Dieu, un homme qui fasse office de berger, qui conduise le peuple et qui le fasse entrer dans cette terre promise. Vous remarquerez que Dieu ne va pas choisir non plus quelqu'un en dehors de son peuple, dans une autre nation. Dieu va choisir quelqu'un qui appartenait à son peuple, quelqu'un qui venait du milieu de son peuple. Je voudrais juste faire une parenthèse. Quelquefois, nous disons, pourquoi telle église souffre? Je me suis rendu compte, bon, ce n'est pas toutes les églises, et ça ne se passe pas partout, que Dieu soit béni. Et des fois, on se rend compte que certaines églises souffrent tout simplement parce qu'il y a une derrière, non pas une volonté divine, mais une volonté humaine quand il y a succession pastorale. C'est-à-dire quand un pasteur décide de partir, au lieu de s'en remettre à Dieu,
Au lieu de crier à Dieu, qui connaît ce dont son peuple a besoin, eh bien, quelquefois, malheureusement, il se produit que l'on regarde à l'apparence. On se permet de faire du sentimentalisme. On choisit ceci, on choisit cela pour être notre successeur, sans avoir l'aval du Seigneur. Et malheureusement pour ces églises-là, c'est elles qui payent les frais, qui sont lourds. Je dirais que toute succession doit se faire, non pas selon la volonté humaine, mais selon la volonté divine. Moïse n'a pas choisi un homme du milieu du peuple en disant que, eh bien, je vais mourir et je choisis Josué pour me succéder. Non, il s'est remis à Dieu parce qu'il savait très bien que le seul qui connaisse mieux son peuple et le seul qui sache ce qu'il faut à son peuple, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui est capable de donner la personne pour qui sera en mesure d'apporter ce qu'il faut au peuple de Dieu. Dieu sait ce qu'il faut pour chaque église locale. Dieu sait quel pasteur qui doit convenir à chaque église locale. C'est pour cela qu'il est très important de se remettre, comme Moïse, au Seigneur pour la succession. Dieu va élever Josué. Qui peut être élevé? Eh bien, selon la parole que nous avons lue, le premier critère sur lequel Dieu se base pour élever Josué, c'est qu'il le prend du milieu de son peuple. Dieu élève ceux qui lui appartiennent. C'est lui qui va prendre l'initiative de choisir Josué du milieu de son peuple pour être le prochain successeur de Moïse. Tous ceux ou toutes celles qui veulent être élevés par le Seigneur doivent avant toute chose lui appartenir. Alors la question que je vous pose ce matin, est-ce que vous appartenez au Seigneur? Je ne peux pas répondre pour vous. Vous êtes le seul à pouvoir donner réponse à cette question. Mais soyez vrai, soyez sincère. Et au plus profond de vous-même, est-ce que vous appartenez au Seigneur? Quand vous posez la question aux gens qui vous entourent, mais est-ce que vous êtes chrétien? Quelle réponse qu'on vous donne? La majeure partie des gens va vous dire, bien sûr que je suis chrétien, bien sûr que je suis chrétienne. J'ai fait ma confirmation, j'ai été baptisé, j'ai fait, etc., toute cette série de rituels. Mes parents étaient chrétiens. Et de ce fait, je suis moi aussi chrétien ou chrétienne. Mais mes bien-aimés, on ne naît pas chrétien. On ne devient pas chrétien par filiation parentale. Ce n'est pas parce que mes parents sont chrétiens, mon papa est chrétien, ma maman est chrétienne, que je le suis automatiquement. Non. Selon l'évangile de Jean au chapitre 1er, versets 12 et 13, l'apôtre Jean souligne cette merveilleuse pensée que l'on ne naît pas chrétien et qu'on ne devient pas chrétien par filiation. Il nous a dit, mais à tous ceux et à toutes celles qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, ni de la volonté de l'homme,
mais de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu qui? Quand vous regardez bien, il nous est dit dans ce même chapitre, à ceux qui ont reçu cette parole, la parole de Dieu, cette parole qui était au commencement, cette parole qui était avec Dieu, cette parole qui était Dieu, cette parole qui elle-même s'est faite chair. Il nous a dit que ceux qui ont reçu dans leur cœur cette précieuse parole, eh bien, qui croient au nom de cette parole faite chair, c'est-à-dire au nom du Fils de Dieu, eh bien, la parole elle-même, c'est-à-dire Christ, parole de Dieu faite chair, a donné le pouvoir à vous et à moi de devenir enfants de Dieu. Vous êtes, bien-aimés ce matin, enfants de Dieu. Vous qui aviez reçu dans vos cœurs cette parole faite chair, vous qui avez cru au nom du Fils de Dieu, vous qui avez ouvert votre cœur au Seigneur, qui l'avait confessé comme sauveur, comme maître. La Bible dit que cette parole faite chair vous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous êtes ce matin enfant de Dieu. Et j'espère que tout un chacun et que personne dans ce lieu ne ressorte de ce lieu sans avoir cette conviction dans son cœur qu'il est passé de la mort à la vie, de la lumière des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. La parole, c'est la première chose que souligne Jean, cette parole faite chair, Jésus-Christ, pleinement homme et pleinement divin, nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc tous les hommes, sans exception, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur race, quelle que soit leur couleur, quel que soit ce qu'ils sont, Dieu donne à tous les hommes cette possibilité de devenir enfants de Dieu, de passer du stade de créature à celui d'enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu, comme peuvent le penser certaines personnes. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous serons tous sauvés. C'est faux, c'est un mensonge du diable. On est créature de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Au travers de cette parole faite chair. Dieu nous a créés, frères et sœurs, dans le seul but que nous appartenions à, ou que nous entrions dans sa famille. La deuxième chose que Jean déclare dans cet évangile, c'est que le fait de faire partie de la famille de Dieu, d'appartenir à Dieu, n'est pas venu d'une volonté humaine. Ce n'est pas vous qui aviez choisi d'appartenir à la famille de Dieu. C'est Dieu qui, en quelque sorte, vous a choisi. Et bien sûr, vous avez ouvert votre cœur, vous avez accepté, mais c'est en premier lieu Dieu qui vous a choisi. Donc cette volonté n'est pas une volonté humaine, mais une volonté divine. C'est Dieu qui a pris l'initiative de faire de vous son fils ou sa fille. Au travers du témoignage de Jésus-Christ. Et Jean va nous dire comment et combien Dieu vous aime. Dans sa première épître, la première épître de Jean, chapitre 3, verset 1er, il nous a dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pourquoi? Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Ça a coûté au Dieu Tout-Puissant, de faire de vous ce que vous êtes ce matin. Jésus a payé de sa vie pour que ce matin vous soyez appelés enfants de Dieu. Quel amour le Père a témoigné à votre égard. Dieu vous a aimé. Dieu m'a aimé.
Dieu a aimé sa création. La Bible nous dit dans l'évangile de Jean au chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. » C'est l'amour de Dieu qui l'a poussé à donner son propre fils pour vous réconcilier avec lui-même. C'est l'amour de Dieu qui a fait qu'il a placé un pont entre le ciel et la terre pour que toutes ses créatures, ceux qui le désirent, ceux qui le veulent, puissent traverser ce pont et atteindre le ciel, atteindre son royaume. C'est l'amour de Dieu qui a fait que vous avez été délivrés de la puissance des ténèbres. Et que vous pouvez ce matin dire que Dieu est votre Père. Dieu est votre Père. Dieu est mon Père. Amen. Dieu est mon Père. Et ça, je peux le déclarer avec certitude, avec assurance. Dieu est mon Père. Parce que Dieu a payé le prix fort pour que moi, je devienne son enfant. Pour que vous deveniez ses enfants. On ne peut pas dire que l'on appartient au Seigneur si on n'a pas quelque part des signes visibles, des signes qui le montrent. J'ai pris l'image d'un enfant qui, des fois, vous regardez des enfants et vous dites, cette petite-là appartient à ce papa-là, à cette maman-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a des signes qui montrent. Il y a peut-être le visage, la forme du visage, la forme de la tête, le nez, les yeux, la bouche, etc. Il y a des signes qui montrent que cet enfant appartient à cet homme et à cette femme. Vous dites appartenir au Seigneur. La seconde question que je pose, quels sont les signes qui montrent votre appartenance au Seigneur? Quels sont les signes qui montrent que vous appartenez réellement au Seigneur? Je voudrais quand même voir le premier signe qui montre notre appartenance au Seigneur. Si nous revenons dans le texte lu dans Josué chapitre 3 au verset 18, il a dit, Dieu dit, « Prends Josué, fils de Noun, homme en qui l'Esprit réside. » Homme en qui l'Esprit réside. Ce qui nous conduit au deuxième critère, parce que l'Esprit est non seulement le signe de votre appartenance au Seigneur, mais reste aussi un critère de base pour votre élévation. L'homme ou la femme en qui réside l'Esprit de Dieu. Vous appartenez au Seigneur? Si oui, vous avez en vous l'Esprit de Dieu. Dans Romains au chapitre 8, verset 9, l'apôtre Paul dit, « Pour nous, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins, écoutez bien, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Et ensuite, il va poursuivre en disant, « Mais si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. » Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Je voudrais faire une remarque sur deux choses concernant l'Esprit. D'une part, l'apôtre Paul souligne l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit de Dieu en vous. Et ensuite, il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, est-ce deux esprits? Est-ce d'un côté, il y a l'Esprit de Dieu? Est-ce de l'autre côté, il y a l'Esprit du Christ? Non. C'est le même esprit. Et nous pouvons
le découvrir dans l'Épître aux Éphésiens, où l'apôtre Paul va lui-même faire une grande déclaration concernant justement l'Esprit, et va déclarer dans Éphésiens chapitre 4, verset 4, « Il y a un seul corps et aussi un seul esprit. » Vous savez, le même esprit qui a parlé dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, c'est le même qui a parlé et qui parle dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Et l'apôtre Pierre, justement, le souligne dans sa première épître, au chapitre 1er, versets 10 et 11, concernant les prophètes de l'Ancien Testament qui avaient en eux l'Esprit de Dieu, qui prophétisaient sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, qui annonçaient les choses à venir. L'apôtre Pierre est en train de dire que les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui nous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées, et écoutez bien, par l'Esprit du Christ qui était en eux. Donc, en faisant bien allusion aux prophètes de l'Ancien Testament, Pierre souligne que l'Esprit qui parlait au travers des prophètes, l'Esprit qui saisissait les prophètes, était bien l'Esprit de Dieu, mais là, il est fait mention de l'Esprit du Christ. Donc, on peut souligner que l'Esprit de Dieu est bien l'Esprit du Christ. C'est le même Esprit, il n'y a pas de différence entre l'Esprit qui s'est manifesté dans l'Ancienne Alliance et l'Esprit qui se manifeste dans la Nouvelle Alliance. C'est le même Esprit. Il y a un seul Esprit, nous dit l'apôtre Paul. L'importance du Saint-Esprit en vous. Quand l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de Rome en disant que l'Esprit de Dieu habite en vous, bien sûr, il fait allusion à l'Esprit du Christ et déclarant que si quelqu'un n'a pas cet Esprit-là, l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Mais je crois que c'est une déclaration quand même forte qui ramène l'homme religieux à cette dure réalité que s'il n'a pas l'Esprit de Christ en lui, il ne lui appartient pas, même peu importe sa religion. Tu peux être religieux, tu peux venir à l'église, tu peux passer tout ton temps dans l'église, tu peux suivre une religion, qu'elle soit évangélique, celle que tu veux. Si tu n'as pas en toi l'Esprit du Christ, tu ne lui appartiens pas, nous dit la parole de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas né de la volonté de Dieu. Tu ne fais pas partie de la famille de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vient faire sa demeure en toi, qui te donne cette assurance que tu es devenu enfant de Dieu ou que tu es l'habitation de Dieu par l'Esprit, selon Éphésiens chapitre 2, verset 22. En lui, nous dit l'apôtre Paul, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Dans la première épître aux Corinthiens chapitre 3, verset 16, il est déclaré que « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Dans la première épître de Pierre, au chapitre 4, verset 14, il nous est dit « L'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous, frères et sœurs. » Est-ce que vous réalisez la valeur de ce que Dieu a placé en vous? Dieu a mis en vous son Esprit pour ceux qui lui appartiennent. La grâce et le privilège que Dieu a fait de vous en vous donnant son Esprit. La Bible nous dit que nous sommes la résidence du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes son temple et que le temple de Dieu doit rester saint parce que Dieu lui-même est saint. Vous savez, si vous invitez quelqu'un, important ou pas important, chez vous,
pour un séjour, peu importe le temps que cette personne doit passer dans votre demeure. Et vous connaissez ce que cette personne n'aime pas. Est-ce que vous allez faire dans la présence de cette personne ce qui lui déplaît? Non. Pourquoi? Parce que vous avez envie qu'elle puisse passer un séjour agréable dans votre humble demeure, n'est-ce pas? Donc vous allez tout faire pour qu'elle se sente bien, qu'elle se sente à l'aise. Et une fois qu'elle parte, qu'elle dise, eh bien, j'ai été très heureux de passer ce temps dans ta maison. Eh bien, je crois qu'il en est de même pour Dieu. Parce que nous sommes la résidence du Dieu Tout-Puissant. Et la parole de Dieu nous donne tout ce que Dieu est. Le verbe haïr. Tout ce que Dieu désapprouve. Tout ce que Dieu n'aime pas. Eh bien, en tant que celui qui accueille, pour que Dieu puisse passer un séjour agréable en vous, dans cette demeure que vous êtes, eh bien, vous devriez faire tout ce qui lui est agréable, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit que Dieu est saint. Et il faut absolument que ceux qui lui appartiennent le soient aussi. La demeure de Dieu doit être une sainte demeure. Josué avait compris l'importance de ce qu'il avait reçu, la valeur de ce qu'il avait reçu. Il savait que, bien sûr, sans l'Esprit de Dieu en lui, sans la présence de Dieu, sans la conduite de Dieu, jamais il aurait pu conduire ce peuple dans cette terre promise. Et on voit au chapitre 5, verset 5, que Josué, qui se trouve devant la ville de Jéricho, va lever les yeux, il va voir un homme avec une épée nue à la main. Et Josué va s'approcher de cet homme et il va lui demander, « Mais es-tu des nôtres? Ou es-tu de l'autre côté? C'est-à-dire, appartiens-tu à l'ennemi? » Eh bien, l'homme, le chef de l'armée de l'Éternel, va lui dire, « Non, je suis moi le chef de l'armée de l'Éternel. » Et je viens maintenant. Josué va comprendre tout de suite. Qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, Josué va se prosterner et va adorer. Mais bien aimé, c'est l'attitude que nous devrions avoir dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Une attitude de respect. Nous prosterner, respecter la présence du Seigneur, respecter la présence de Dieu, parce que vous avez en vous l'Esprit de Dieu. Suite à la suite de cette histoire, l'homme va demander à Josué de faire une chose, et quelque part va ordonner à Josué de faire quelque chose, ce qui était important. Il va dire à Josué, ôte tes chaussures. Ôte tes chaussures de tes pieds. Pourquoi? Parce que le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ôte tes chaussures de tes pieds, parce que le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Bien aimé, chaque fois que nous rassemblons dans un lieu, quel que soit le lieu, ce lieu devient un lieu saint.
ce lieu devient un lieu saint. Ce matin, nous sommes dans un lieu saint à cause de la présence de Dieu. Puisque Jésus lui-même a fait cette promesse en disant, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. À cause de la présence de Jésus, ce lieu est un lieu saint. À cause de la présence du Saint-Esprit en vous, ce lieu est un lieu saint. Et nous ne devrions jamais venir dans ce lieu saint avec tout ce que nous ramassons dans le monde pour l'amener dans la présence de Dieu. C'est pour cela que l'homme dit à Josué, ôte tes chaussures de tes pieds. Il faut absolument, Josué, que tu aies un contact avec Dieu. Vous savez, le fait de marcher avec des chaussures, cela ne nous donne pas un contact avec le sol. Il y a quelque part quelque chose qui rompt cette relation entre nos pieds et le sol. Et Josué devait avoir un contact réel avec Dieu. Et donc, au travers de cette terre sainte, l'homme va lui dire, « Oh, tes chaussures de tes pieds !» Et un réel contact avec cette terre sainte. Ce matin, peut-être que vous savez quelles sont les chaussures qui vous empêchent d'avoir cette réelle relation ou ce réel contact avec votre Dieu ce matin, avec la présence de Dieu. Peut-être que ce matin, le Seigneur veut te dire d'enlever les chaussures de ta colère. Peut-être que ce matin, le Seigneur désire te dire d'enlever les chaussures de la jalousie, les chaussures de la haine, les chaussures de l'orgueil, les chaussures du murmure, les chaussures de la calomnie. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez pour que rien ne fasse obstacle à votre relation avec Dieu, à ce contact que Dieu désire avoir avec vous ce matin. Eh bien, Dieu demande que vous puissiez vous débarrasser de tout ce qui pourrait se retrouver entre vous et lui. Vous appartenez au Seigneur. La Bible nous dit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, selon 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Ne nous y trompons pas, frères et sœurs. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur connaît ceux qui sont siens. On peut très bien être au milieu du peuple et ne pas du tout lui appartenir. Car comme nous l'avons vu, ceux qui lui appartiennent, ce sont ceux en qui réside l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, vous connaissez la suite. Comment pouvons-nous comprendre ou savoir que nous avons en nous l'Esprit du Christ? Eh bien, au travers de son témoignage, selon Romains chapitre 8, verset 16, il a dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il faut absolument que vous ayez ce témoignage dans votre cœur. Le Saint-Esprit ne va pas charger quelqu'un d'autre. Il ne va pas passer par quelqu'un d'autre pour vous rendre témoignage. Il rend lui-même à vos cœurs, à votre esprit, pardon, que vous êtes devenus enfants de Dieu. Et l'apôtre Jean le dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ça, c'est une réalité. Parce que nous avons en nous son esprit, parce que nous avons reçu son témoignage, eh bien, nous pouvons déclarer, et vous pouvez déclarer, que vous êtes maintenant enfants de Dieu. Je voudrais conclure avec toujours le livre de Josué au chapitre 4, verset 14. Il nous a dit, « En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël, et ils le craignirent comme ils avaient craint Moïse, tous les jours de sa vie. Dieu a dit à Moïse, aujourd'hui, je vais commencer à t'élever. Et au chapitre 4, il nous a dit, en ce jour-là, l'Éternel éleva Josué. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a le temps de Dieu pour toute chose. Il y a le temps de Dieu pour être élevé. Ne cherchons pas l'élévation
avant que ne vienne le temps du Seigneur. Je le répète, ne cherchons pas l'élévation avant que ne vienne le temps du Seigneur. Vous imaginez si Josué s'était élevé, je crois que Dieu l'aurait abaissé. Et combien dans le peuple de Dieu se sont élevés dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, et Dieu les a abaissés. Parce que de telles personnes se sont élevées par orgueil. Et la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Celui qui s'élève avant le temps du Seigneur sera lui-même abaissé par le Seigneur. Josué, Moïse et d'autres ont dû attendre le temps de Dieu. Et Dieu les a élevés en son temps. Prions le Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que c'est elle qui nous guide. Merci parce que c'est elle qui nous encourage. Au travers d'elle, tu nous relèves. Je te bénis pour cette parole annoncée, Père, qui certainement a parlé au cœur. Tu connais chacun d'entre nous ce matin. Et tu sais ce dont nous avons besoin. Seigneur, je te bénis. Parce que je sais qu'au milieu de nous, ta présence s'est fait ressentir. Et que tu as déjà commencé à accomplir des choses dans nos vies. Mais nous voulons continuer à te faire confiance et nous remettre totalement entre tes mains, afin, Seigneur, que nous ne puissions pas nous élever nous-mêmes, mais attendre ton temps, le temps où tu auras choisi d'élever, Seigneur, ceux que tu as prévus, ceux que tu désignes. Seigneur, merci pour ton esprit que tu as mis en nous. Merci parce que tu as fait de nous, Seigneur, ta demeure sainte, ton Saint-Temple. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à garder ce Temple Saint, afin que lorsque le temps d'élévation sera venu, Seigneur, rien ne puisse faire obstacle, Seigneur, à ta présence dans nos vies. Père, je te loue et je te bénis. Et je te rends toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Restons quelques instants les yeux fermés, les fronts courbés, pendant que le pasteur Linderman s'approche. Est-ce que vous avez une relation réelle avec le Seigneur? C'est indispensable. Ce n'est pas une théorie. Nous devons avoir une relation réelle avec le Christ. Jésus-Christ en vous, l'espérance de la gloire, la Bible dit. Quand est-ce qu'on a une relation réelle? Quand nous croyons avec tout notre cœur que Jésus s'est donné volontairement sur la croix pour nos fautes et qu'il est ressuscité pour notre justification. C'est à partir du moment
Nous voulons qu'il soit véritablement le maître de chaque domaine de notre vie. C'est quand nous nous engageons avec le Seigneur pour mettre ses commandements en pratique. C'est uniquement alors que le Seigneur envoie son esprit. Si vous n'avez pas cette sorte de relation, nous voudrions prier pour vous. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, si vous avez besoin de prière, peut-être que vous vous êtes éloigné du Seigneur, ou peut-être que vous n'avez jamais eu cette sorte de vraie relation, et vous voudriez la voir. Je vous invite à me faire signe. En élevant votre main, nous voudrions prier pour vous. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Merci, oui. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes? Merci.